Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast relié aux énergies de cette nouvelle lune en Lion qui aura lieu précisément mercredi 16 août 2023 aux alentours de 16h39, heure de Paris. Donc aujourd'hui, je vais vous donner, comme à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune, un petit peu les informations autour d'une nouvelle lune, quelles sont les énergies d'une nouvelle lune. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail par rapport à cette nouvelle lune bien précise. Et ensuite, je vais vous donner quelques informations. J'ai donc tiré les cartes de mon oracle favori pour savoir un petit peu quelles étaient nos énergies pour les personnes qui écoutent ce podcast actuellement et ce sur quoi on devait travailler. Je vais également vous donner un petit peu les énergies en numérologie de cette nouvelle lune. Je vais vous donner également des conseils bien-être que vous pouvez appliquer en cette nouvelle lune. J'ai aussi tiré une couleur reliée à un chakra bien précis pour savoir un petit peu ce sur quoi un petit peu on avait besoin de travailler actuellement. Je vous communiquerai comme à chaque fois à la fin de ce podcast votre petit mantra du moment que vous pourrez réciter pendant environ 2 semaines. Et je vous ferai un micro moment de relaxation pour vous plonger vers la relaxation et réciter ce mantra en pleine conscience. Et j'ai aussi un petit cadeau à vous proposer avant la fin de ce podcast, c'est de vous lire un petit extrait d'un de mes livres préférés que j'ai pris au pif dans ma bibliothèque. Et je vais vous lire un passage pareil au pif, mais on sait très bien qu'il n'y a pas de hasard, c'est très certainement parce que ce passage est très intéressant pour chacun d'entre nous et qu'on a peut-être besoin finalement d'entendre certaines choses. Donc c'est un passage qui fait une page et demie environ. Et donc du coup, je pense que je n'ai pas encore lu, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, mais au moins, eh bien, je le découvrirai en même temps que vous, mais très certainement que ce passage de ce livre, il y a peut-être un petit rappel qu'on a besoin d'entendre ou quelque chose qu'on a besoin de découvrir tout simplement. Donc je vous propose de rester jusqu'au bout de ce petit podcast. N'hésitez pas à mettre pause à ce podcast, à vous faire une petite infusion, un petit thé, un café, peu importe, et à vous poser confortablement dans un endroit. Comme on est en été, vous pouvez même ouvrir les fenêtres ou aller vous balader dans la nature pour écouter ce podcast. Faites comme bon vous semble. Donc aujourd'hui, on est sur les énergies d'une nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est un nouveau cycle lunaire. On recommence un nouveau cycle et la lune n'est pas visible dans le ciel. Elle apparaîtra environ dans 3 jours et demi au moment du premier croissant de lune. Et finalement, ça ressemble un peu aux énergies d'hiver où on rentre un peu dans notre bulle, dans notre cocon. La nouvelle lune, c'est un moment finalement de rêverie où on énonce des vœux et où on se dit que tout est possible. Et relié à la loi de l'attraction, c'est le moment d'énoncer des vœux à l'instant présent et non pas au futur, puisque vibratoirement parlant, si on énonce quelque chose au futur, c'est comme si on n'avait pas encore cette chose-là. En revanche, si on l'énonce en se sentant plein de gratitude, plein de joie à l'instant présent, c'est comme si vibratoirement parlant, on avait déjà cette chose-là. Et donc, tel un aimant, on attire cette chose-là à nous tout simplement. Donc voilà pour un petit peu les énergies d'une nouvelle lune. On énonce des vœux, on sent que tout est possible, c'est pas le moment de se limiter dans nos vœux. Et donc cette nouvelle lune, elle aura lieu dans le signe du Lion. Et aujourd'hui, il s'agit précisément d'une micro-lune. Qu'est-ce qu'une micro-lune? En fait, c'est un petit peu l'inverse d'une super-lune. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 14 jours, on était sur les énergies d'une super-lune, c'est-à-dire qu'en fait, une super-lune, en fait, c'est la lune qui est à son périgée, c'est-à-dire qu'elle est au plus proche de la Terre. Et donc, elle peut apparaître plus grande que d'habitude, plus lumineuse, et donc elle est vraiment très proche de la Terre. À titre indicatif, donc lors de la pleine lune en Verseau du 1er août, elle était aux environs de 358 000 km de la Terre. C'est très loin, mais vous verrez qu'il y a une différence aujourd'hui. Sur cette nouvelle lune, aujourd'hui, donc elle est très éloignée, ça s'appelle, elle est à son apogée. Donc la micro-lune, en gros, c'est vraiment quand elle est à son point, le point le plus éloigné de la Terre, en fait, sur ce cycle lunaire, elle est donc à son apogée. Et là, elle sera précisément à 406 000 km de la Terre. Et l'apogée, elle sera à son apogée, en fait, exactement le 16 août à 13h54. Donc c'est à ce point précis qu'elle sera au plus loin de la Terre, tout simplement. Pour information, donc on commence un cycle avec une nouvelle lune. 14 jours après, on est sur les énergies d'une pleine lune. Entre la nouvelle lune et la pleine lune, on est sur une énergie croissante. Et après la pleine lune, jusqu'à la nouvelle lune suivante, on est sur une énergie décroissante. Donc un cycle lunaire dure environ 29 jours. Il faut savoir qu'il y a 8 phases lunaires différentes et chacune de ces phases dure 3 jours et demi.
Je vais vous donner quelques indications que vous pouvez faire durant cette nouvelle lune. Vous pouvez vous créer un petit hôtel avec des éléments de saison. Actuellement, on est sur les récoltes de l'année avec la récolte du blé, etc. Donc peut-être que vous pouvez tout simplement fabriquer du pain, par exemple, et vous constituer un petit hôtel avec du pain. Peut-être que vous pouvez même manger en conscience, peu importe. Peut-être allumer aussi des bougies de couleur jaune, puisque le jaune est relié au soleil. Et ce moment du mois d'août est relié vraiment aux énergies solaires et au sabbat Lamas qui a eu lieu donc le 1er août et qui perdure jusqu'au 1er septembre. Donc en plus de votre hôtel, ce que je vous conseille, si par exemple vous avez des pierres de lithothérapie à la maison, vous pouvez regarder un peu dans votre bibliothèque à pierres, la pierre qui vous appelle, celle qui vous attire, puisqu'il n'y a jamais de hasard, ça vient toujours répondre à un besoin bien particulier quand on choisit quelque chose au hasard. Et comme on sait qu'il n'y a jamais de hasard, ça va peut-être venir répondre justement à l'un de vos besoins. N'hésitez pas, si vous ne connaissez pas forcément toutes les vertus de votre pierre, à aller regarder sur internet ou sur un livre de lithothérapie, les effets bénéfiques, les vertus de la pierre que vous avez choisie. Venez donc la nettoyer, la purifier et ensuite vous pourrez la garder avec vous jusqu'à ce que vous n'en ayez plus besoin tout simplement. Je vous conseille également, si vous en avez envie, puisqu'on est sur une nouvelle lune et que c'est le moment d'énoncer des vœux, vous pouvez tout simplement écouter ma méditation que j'ai postée sur YouTube, méditation de nouvelle lune, pour pouvoir visualiser un magnifique paysage et en même temps énoncer vos vœux. Et à la fin de la méditation, vous pourrez donc, par exemple, noter dans votre petit carnet vos vœux que vous avez énoncés pour la nouvelle lune. Comme ça, à la pleine lune, vous pourrez revenir dessus et voir si vous avez besoin de réajuster certaines demandes que vous avez faites lors de la nouvelle lune, tout simplement. Si vous en avez envie, vous pouvez également nous rejoindre le mercredi 16 août à 21h en direct sur Zoom. Je propose, comme à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune, un petit rituel qui dure une heure avec une méditation qui dure bien plus longtemps que sur YouTube. Elle dure entre 35 et 40 minutes et je vous donne plein d'infos reliées à la nouvelle lune en Lion, des informations où on rentre beaucoup plus dans le détail par rapport à ce podcast évidemment. Donc c'est un rituel de groupe. Si vous avez envie de rejoindre la petite famille Échappée Bien-être, eh bien vous pouvez. Juste en dessous de cette vidéo, vous avez le lien pour pouvoir participer donc à ce rituel et vous pouvez également recevoir le replay si vous n'êtes pas dispo sur cet horaire bien précis. Évidemment. Je vous propose également, si vous en avez envie, c'est peut-être le moment d'écrire, de vous relier à plus de sérénité, d'apaisement, vraiment vous relier à vos ressentis corporels et vous faire du bien tous les jours en pleine conscience, que ce soit par le biais de méditation, d'écriture, etc. Je vous propose de venir télécharger un petit carnet d'été, un carnet bien-être, où vous avez des recettes de cuisine, des petits mandalas à colorier, des petits moments de sérénité. Je vous partage plein de petites infos avec des mantras, des couleurs reliées au chakra, etc. Plein de petites infos dans ce carnet qui fait 77 pages. C'est vraiment un carnet ludique pour s'apporter du bien-être tout au long de l'été, pour s'apporter de la sérénité et aussi se mettre en action vers nos rêves et se diriger vers plus d'apaisement tout simplement. Pareil que l'événement de la nouvelle lune, je vous mets juste en dessous le lien pour télécharger ce petit carnet. Je vais également vous proposer, si vous en avez envie, puisqu'on est sur des nuits en fait qui sont reliées donc à la nuit des étoiles filantes, les perséides exactement, puisqu'il n'y a pas de luminosité lunaire dans le ciel puisqu'on est sur une nouvelle lune, eh bien c'est le moment pour être attentif donc aux étoiles filantes. Peut-être que vous aurez la chance, même si la nuit des étoiles filantes est déjà passée, vous aurez peut-être la chance d'observer des étoiles filantes dans le ciel. Donc n'hésitez pas à vous organiser un petit moment en conscience avec vos proches, peut-être dans un jardin ou aller faire un pique-nique dans un parc, peu importe, pour pouvoir observer les étoiles filantes. Là, ce sera le meilleur moment pour les observer puisqu'on n'a pas de lune dans le ciel, tout simplement. Je voulais également vous parler de numérologie. Quand on additionne le 16 août 2023, on arrive sur le chiffre 4. Donc on additionne 1 plus 6 plus 8 plus 2 plus 0 plus 2 plus 3 et on arrive exactement au chiffre 4. Peut-être que les énergies de cette nouvelle lune en termes de numérologie, c'est peut-être le moment de poser des fondations solides pour avancer, pour se diriger vers nos rêves, vers nos projets. Poser des fondations nouvelles pour ce cycle lunaire et se délester des anciennes fondations avec lesquelles peut-être on s'est construit quand on était plus jeune, etc. Mais peut-être que ces fondations ne nous conviennent plus et que c'est le moment de poser des fondations nouvelles.
avec toute la sagesse qu'on a en nous depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. C'est peut-être le moment finalement de poser de nouvelles bases avec tout ce qui nous a fait grandir pour pouvoir avancer sur notre chemin plus sereinement et casser avec les schémas répétitifs, etc. tout simplement. D'ailleurs, j'en viens à l'oracle des miroirs. J'ai tiré des cartes par rapport à l'oracle des miroirs pour un petit peu savoir quelles étaient nos énergies à tous actuellement. Donc, c'est mon petit oracle chouchou. Je ne le présente plus, mais je vous le présente quand même puisqu'il y a aussi de nouvelles personnes sur la chaîne qui arrivent. D'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue. Donc, du coup, l'oracle des miroirs, j'ai tiré deux cartes qui sont tombées. Et c'est assez rigolo parce que ça vient aussi rappeler finalement les énergies en numérologie du chiffre 4. On est donc sur la carte de la fatalité et de l'hérédité. Peut-être que finalement, ces cartes-là, elles viennent nous dire que peut-être qu'on a été dans des schémas répétitifs qui sont reliés à notre passé, mais qu'en fait, on n'est pas notre passé. Et peut-être que justement, c'est le moment un petit peu de se délester des pensées négatives reliées au passé, peut-être des échecs qu'on a vécus, mais en fait, on n'est pas notre passé et on ne va pas vivre éternellement nos échecs. Et peut-être que justement, c'est le moment un petit peu de stopper avec nos pensées négatives, de stopper avec le passé, pour construire de nouvelles fondations qui nous conviennent davantage et qui ne sont pas reliées peut-être à des traumas, qui ne sont pas reliées à des choses répétitives qui ne nous appartiennent peut-être même pas. Donc là, vraiment, c'est peut-être le moment de couper définitivement avec des choses du passé, peut-être avec une certaine fatalité et une négativité, et de se recentrer sur des énergies nouvelles et de se relier à nous-mêmes dans la positivité, dans la joie, dans l'enthousiasme, et de se dire que finalement, on peut tout créer à partir de maintenant. Surtout qu'on recommence un nouveau cycle. J'ai aussi tiré une couleur, et donc la couleur, c'est la couleur orange, qui est donc reliée au chakra sacré. Et le chakra sacré, c'est donc le chakra qui est relié donc au petit plaisir de la vie. Peut-être que vous ne vous êtes pas suffisamment fait plaisir ces derniers temps, et c'est peut-être le moment justement en recommençant ce cycle lunaire pour s'apporter plus de bien-être, pour s'apporter plus de petits plaisirs de la vie. Donc le petit exercice que je vous suggère en cette nouvelle lune finalement, c'est de venir peut-être vous faire une to-do list des petits plaisirs que vous aimeriez vous accorder jusqu'à la fin du mois d'août. Et évidemment, il faut qu'à la fin du mois d'août, vous ayez rayé complètement cette petite liste. Voilà pour les infos par rapport donc à cette nouvelle lune. Je vais également vous lire donc la partie du texte du livre que j'ai pris au hasard. Peut-être que ça fera tilt en vous. Il y a peut-être des choses que vous allez laisser infuser et que vraiment vous avez besoin d'entendre cela. Et à la fin, je vous propose un micro moment de relaxation avec le petit mantra que vous pourrez réciter pendant quelques jours. Alors, donc concernant la lecture du livre Demandez et vous recevrez, les êtres physiques ont l'habitude de rassembler toutes sortes de choses autour d'eux. La plupart agissent ainsi parce que c'est de cette façon qu'ils ont une idée de tout ce qu'ils possèdent. De plus, cela occupe leur temps. Autrement dit, comme vous vivez dans un monde physique, la manifestation physique a pris de l'importance pour vous. Mais chacun de vous est maintenant enseveli sous les détails de tout ce qu'il manifeste. En général, vous passez beaucoup trop de temps à chercher des autres, et ce n'est pas uniquement dû au fait que vous avez trop de choses à classer. C'est aussi parce que l'accumulation de toutes ces choses est contraire à la liberté inhérente en vous. Nous avons déjà parlé du sentiment de tristesse qui vous donne l'impression d'un vide intérieur. Les gens essayent souvent de remplir ce vide avec des choses. Ils achètent des tas de trucs et les rapportent à la maison ou encore ils mangent à l'excès. En d'autres termes, ils ont découvert une multitude de manières créatrices de remplir ce vide. Voilà pourquoi nous avons encouragé plusieurs à se départir de tout ce qui n'est pas essentiel à leur existence actuelle. Si vous pouviez simplement passer en revue les choses que vous ne portez pas ou que vous n'utilisez pas, afin de vous en libérer, pour ainsi faire place nette de tout le superflu, celles qui sont davantage en harmonie avec qui vous êtes désormais afflueraient plus facilement vers vous. Vous avez toute la capacité d'attirer des choses et lorsque votre existence est surchargée d'objets dont vous ne voulez plus, l'attraction exercée par les nouvelles choses est moins vive et vous vous retrouvez avec un sentiment de frustration ou de découragement. Et bien en fait finalement cette partie de texte nous fait un petit peu penser à l'hérédité, à la fatalité, à tout ce dont je vous parlais. C'est peut-être le moment justement de vous délester des choses dont vous n'avez plus besoin ici et maintenant pour repartir sur de bonnes bases, sur des bases nouvelles et recommencer ce cycle lunaire, tout simplement.
Dernière chose avant de commencer la petite micro-relaxation, puisqu'on est sur un nouveau cycle lunaire, si vous souhaitez venir découvrir tout ce qui est en lien avec un cycle lunaire, les 8 phases lunaires bien précises, et vous relier à plus de spiritualité, à cheminer en lien avec les énergies d'un cycle lunaire pour attirer l'abondance à vous, je vous propose de venir découvrir toutes les énergies d'un cycle lunaire avec mon programme « Se relier à la lune, au cycle féminin et à la nature ». On va partir pour 29 jours de découverte sur le cycle lunaire, mais pas que. Et il y a pas mal de surprises en lien avec le développement personnel. C'est un véritable outil de développement personnel pour que vous puissiez tout au long de l'année revenir sur le programme et à chaque fois connaître vos énergies du moment, puisqu'il y a une partie astrologie dans cet accompagnement et vous pouvez l'utiliser tout au long de l'année. Et je vous mets également le lien juste en dessous de cette vidéo si vous souhaitez découvrir tout le cycle lunaire dans sa globalité, en rentrant évidemment en profondeur sur les énergies de chaque phase et surtout vous accorder beaucoup de bien-être. Je vous propose donc une micro-relaxation. Vous allez pouvoir vous installer confortablement dans une posture agréable et vous allez vous concentrer sur votre respiration tout en fermant vos yeux également. Et plus vous allez vous concentrer sur votre respiration, et plus vous allez ressentir de la sérénité, de l'apaisement. Et vous allez visualiser juste en dessous de votre nombril, au niveau de votre chakra sacré, une jolie couleur orange qui se diffuse. Connectez-vous à tout ce qui vous fait plaisir, les petites joies de la vie. Et pensez également à tout ce que vous souhaitez réaliser en cette nouvelle lune, ce nouveau départ qui commence, tous les projets que vous souhaitez mettre en place. Et laissez se diffuser dans toutes les cellules de votre corps de la joie, de l'enthousiasme, de l'excitation. Et vous allez réciter le mantra suivant, soit dans votre tête ou bien à l'oral. J'avance vers l'avenir en me sentant déterminée. J'avance vers l'avenir en me sentant déterminée. Et vous pourrez réciter ce mantra les 15 prochains jours jusqu'à la prochaine pleine lune. Et à le réciter évidemment en conscience, en ressentant plein de joie en vous. Vous allez donc pouvoir à nouveau ouvrir vos yeux et prenez tout le temps nécessaire pour vous relever tout en douceur. Peut-être en ressentant votre respiration en conscience, et également en ressentant chacune de vos sensations corporelles, par exemple en bougeant, en ondulant votre corps. Prenez tout le temps nécessaire pour vous relever tout en douceur. Je vous souhaite donc une magnifique nouvelle lune en Lion. Je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à très vite !